Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette première rencontre du Festival Jardin d'hiver édition 2011 avec Max Lafontan et Yvon Lemaine. On ouvre ensemble ces 2 jours de festival, de festivités dans cette Bonjour formule et merci de nous rejoindre. 2021. Nous sommes donc évidemment sans public, mais sur certaines des rencontres, et c'est le cas pour celle-ci, vous avez la possibilité, si vous Ensemble. le souhaitez, d'interroger Yvon Lemaine et Max Lafontan par les réseaux sociaux des Champs Libres. Donc, n'hésitez pas. Dans ce week-end, beaucoup des écrivains vont converser avec des essayistes, avec des scientifiques, et ça va être le cas dès à présent en votre compagnie, Max Lafontan et Yvon Lemaine, pour parler de cette rencontre, prendre soin des autres. Max Lafontan, vous êtes directeur de recherche émérite à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM. Vos travaux portent sur l'obésité, vous nous les expliquerez tout à l'heure. Quant à vous, Yvon Lemaine, vous êtes écrivain et poète, auteur de 2 livres qui viennent de paraître ou qui vont tout juste paraître. Il y a ce livre-ci, La Bretagne vitrée, qui est votre livre de la baie vitrée, pardon, qui est votre livre de confinement en Bretagne. Vous y racontez aussi cette baie vitrée, cette frontière fragile entre l'intérieur et l'extérieur, mais aussi avec quelques petites difficultés quand le store se coince. Ce qui vous est arrivé, et si j'ai fait la confusion en disant la Bretagne vitrée, c'est en raison de votre autre actualité, je me rattrape comme je peux, qui est donc ce livre La Bretagne sans permis, dans lequel vous racontez traverser cette région dans ces fameuses voitures sans permis, ce qu'on appelle les pots de yaourt, qui sont bien encombrants pour de nombreux automobilistes qui sont coincés derrière, mais ce qui vous permet aussi de raconter cette région à ce rythme de la voiture sans permis et avec des rebondissements ou des événements, parce que doubler un tracteur devient un exploit, un enjeu. On y viendra tout à l'heure. Vous êtes parti ici avec un ami. Il y a un lien entre ces 2 livres, ou entre le fait qu'ils se sortent à peu près en même temps, c'est la mort, l'enterrement de Yann Franche-Kemener, puisque il est décédé au moment ou la veille, ou l'avant-veille du premier confinement. Et c'est vous en parlez dans ces 2 livres et surtout dans La Bretagne sans permis. Si vous avez souhaité converser aujourd'hui avec Max Lafontan sur cette notion de prendre soin des autres ou le fait que vous menez actuellement une résidence à Rennes avec des SDF, vous nous en direz un peu plus tout à l'heure. C'est aussi parce que vous connaissez depuis 2010 un festival à Toulouse avait eu l'idée de vous réunir. Ce que vous racontez dans ce livre qui s'appelle Tirer la langue, il y a 2 textes. Le premier, c'est vos séjours au Conseil régional de Bretagne. Et le second, c'est justement cette rencontre avec Max Lafontan et l'étonnante proposition qui vous a été faite à l'époque de converser avec le spécialiste mondial de la cellule graisseuse. Mais l'autre actualité dont je voudrais parler, Yvon Lemaine, qui est toute récente, c'est le décès le week-end dernier de Michel Lebris. Vous en parlez dans ce livre La Bretagne sans permis. Hein. Michel Lebris était venu nous voir pour la première édition de Jardin d'hiver en 2018. Vous avez programmé l'espace dédié à la poésie à ses côtés au festival Étonnant Voyageur. Et dans ce livre, vous le racontez ainsi, c'est pour cela, sa façon de vous écouter, que le monde passe par lui pour aller jusqu'à nous. C'est pour cela que nous sommes heureux de travailler avec lui, même si ce n'est pas toujours à notre rythme. Est-ce que vous voudriez nous partager un souvenir qui symboliserait votre relation, longue relation avec Michel Lebris, Yvon Lemaine? Ben, je connais Michel depuis 1975. Et même avant de le connaître, j'avais manifesté pour lui quand j'avais 16 ans, en 69, quand il avait été mis en prison pour quelques mois pour cause de l'irrection de la cause du peuple. Et il avait été remplacé à ce moment-là par Jean-Paul Sartre. De Gaulle avait dit: « On ne met pas en prison Voltaire, donc Jean-Paul Sartre ne pouvait pas aller en prison. » Voilà. Et donc j'ai connu Michel et on a passé 46 ans à se parler, à manger ensemble, à nous écouter l'un l'autre, au point que j'ai fait un livre avec lui d'ailleurs de dialogue qui s'appelle Fragments du Royaume.
Et justement, à la fin de ce livre, j'y pense comme ça, je lui dis à Michel, je lui dis, tu n'as pas un secret à nous confier. Il dit, le secret ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le mystère. Voilà. Et il reste pour moi un être extrêmement proche. J'étais avec lui tous les deux jours, le dernier mois. Extrêmement proche. Très, très proche, au cœur de moi même, je dirais. Et en même temps, très mystérieux. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment idéal parce qu'on avait encore du temps pour s'aimer, quoi, si je puis dire. Et alors, juste une phrase de lui. Je dirais deux phrases de lui. L'une, c'est dans l'Homo Smell Devant, il y a une phrase comme ça qui démarre. Et nos vaisseaux étaient de pierre et nous étions très bons. C'est les Scindes qui sont arrivés. Et nous étions très bons. Alors, évidemment, ça ne dure pas longtemps, mais cette phrase, pour moi, c'est une ouverture immense, d'un immense imaginaire. Et l'autre phrase, qui est un peu sa phrase verticale, comme ça, c'est nous sommes plus grands que nous. Voilà. Avec ça, on peut voyager loin, quoi. Effectivement, c'est ce qu'il a essayé, en tous les cas, de faire au Festival Étonnant Voyageur. Donc, venons-en à votre autre rencontre, celle avec Max Lafontan. Vous le retrouvez une bonne dizaine d'années après votre première rencontre donc, à Toulouse. Oui. Dans le texte, donc, je rappelle, dans Tirer la langue, vous racontez cette surprise d'avoir été associé à lui, à ce spécialiste mondial de la cellule graisseuse. Mais non seulement vous avez relevé le défi pleinement, puisque vous êtes allé le voir même avant cette rencontre, rencontre et qu'en 2021, vous continuez à converser ensemble. Pourquoi cette relation, Yvon Le Maine, s'est poursuivie tout au long de ces années? Parce que Max est quelqu'un de bien, voilà, et que si on habitait l'un près de l'autre, on se verrait souvent. Et il m'a dit une phrase extraordinaire. Il est venu me chercher à l'aéroport de Blagnac, et donc c'est le spécialiste mondial de la cellule graisseuse, qui donc dit aux gens, faites attention, faites attention. Quand je l'ai vu, je me dis, il ne fait pas forcément très attention. Et il m'a dit une phrase géniale qui est devenue le titre de son portrait en me servant un bon armagnac. Il dit, la cellule graisseuse supporte parfaitement l'armagnac. Je me suis dit, tiens, non seulement c'est un savant, mais c'est un conteur. Et vous, Max Lafontan, pourquoi, selon vous, cette relation avec un poète s'est poursuivie, vous, le scientifique? Eh bien, écoutez, un peu comme Yvon, quand on a fait cette proposition, d'abord j'ai été terrifié, parce que bien sûr, moi, je ne connaissais pas les poètes contemporains, j'étais resté sur des choses très très classiques de ma jeunesse, et donc là, j'ai dit un poète, donc j'étais un peu effrayé. Je suis allé voir rapidement sur Internet, j'ai découvert qu'Yvon Le Maine, c'était pas n'importe qui, donc j'ai dit, tiens, ça c'est ma curiosité. J'ai dit, ça doit être extraordinaire de voir quelqu'un qui est totalement à l'opposé de ton monde. Hein? Et du coup, j'ai pris le pari. Ben, j'ai dit, on va faire simple. Je vais inviter Yvon à venir passer un ou deux jours à la maison et nous allons voir ce que nous allons pouvoir nous dire. Et ça, ça a été là que ça a commencé, cette rencontre extraordinaire. Premièrement, je me suis découvert très rapidement des affinités, si vous voulez, avec Yvon. Yvon, si vous voulez, il est habité par la poésie au point qu'il y a consacré sa vie. Et moi, je suis habité par la science au point que j'ai consacré ma vie. Donc, on est, si vous voulez, des extrémistes de nos engagements. Et ça, c'est quelque chose qui m'a plu immédiatement. Des extrémistes quand même assez tolérants, parce que vous avez quand même ouvert le monde de la science à la poésie, et Yvon Le Maine, dans cette relation, a ouvert le monde de la poésie à la science quand même. Tout à fait, mais je dis dans nos engagements, quoi. Probablement, Yvon, je ne sais pas, mais moi, de temps en temps, si je me fie aux avis de mon épouse, avec qui je vis depuis plus de 40 ans, elle a considéré que par moments, mes engagements et la science étaient beaucoup plus dévorantes que ce qu'elle aurait aimé. Et ça, c'est la rançon de pas mal de scientifiques, hélas. Et bon, je ne sais pas, aussi, je crois qu'il a des engagements et des investissements énormes, disons, dans sa poésie et la diffusion de ses savoirs. Parce que ça, c'est un aspect qui me plaisait beaucoup chez Yvon aussi, en discutant autour d'un confit d'oie et en mangeant agréablement, de découvrir que Yvon allait présenter sa poésie dans toute la campagne bretonne et puis après
bien loin dans le monde. Donc, c'était un communicant extraordinaire dont j'ai eu l'occasion de tester les poésies, qui m'a fait des soirées poétiques. Et là, bien sûr, j'ai découvert et j'ai été absolument emballé. Voilà. Vous partagez, oui, vous partagez Yvon Lemaine, ce que dit Max Lafontaine, à la fois le communicant et l'extrémiste que vous êtes. Alors, mais, un extrémiste doux, tu vois, mais c'est vrai, on a mis notre vie là-dedans parce que c'est, je crois que quand la poésie, c'est une question. La science, c'est une question. La poésie, c'est une question par la langue de comment être au monde, quoi. Donc, moi, je me suis dit, pour que je trouve une réponse, il faut que j'aille jusqu'au bout, en sachant que plus j'avance, plus la réponse recule. Mais il y a une chose, dans le livre, le portrait que j'ai fait de Max, je démarre sur un rêve que je fais, parce qu'il se trouve qu'à Toulouse est enterré saint Thomas d'Aquin, qui a essayé de mélanger raison et foi, on pourrait dire bêtement, enfin simplement poésie et science. Et je fais un rêve comme quoi Max m'appelle à 3h du mat, il me dit, Yvon, on va aller faire l'ADN du crâne de saint Thomas en cachette, comme ça, pour voir où est la frontière entre l'âme et le cerveau. Et on n'a pas trouvé. Donc, c'est une question qui est drôle, mais qui n'est pas si drôle que ça. Je pense que c'est c'est effectivement, ça se passe entre les deux, quoi. C'est vraiment. Et saint Thomas, d'ailleurs, Thomas d'Aquin dit qu'à la fin de sa vie, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai fait, la somme de la somme de la somme, ne vaut pas la foi d'un enfant de 10 ans. Effectivement, ça m'a aussi interpellé ce passage où vous, voilà, ce rêve où vous allez emprunter le cerveau de Thomas d'Aquin voir la frontière entre le cerveau et puis l'âme. Est-ce que c'est ça aussi dont vous avez eu besoin, Yvon Lemaine, en tant que poète, c'est d'avoir la dimension biologique pour essayer de comprendre la transcendance? Alors, moi, je ne suis pas du tout, justement, c'est pour ça que c'était, quand on m'a proposé la rencontre avec un biologiste, moi, je veux dire, ce qui est entre ma tête et mes pieds, je ne veux pas le savoir. Donc c'est simple, si j'ai mal au foie... Vous pensiez plutôt être avec un astronome ou quelqu'un qui regarde... Voilà, surtout pas à l'intérieur. Je suis fils de malade en plus, donc j'ai été marqué par la maladie et la défaite du corps aussi. Mais bon, je crois, par la mémoire, par l'âme, par tout ce qu'on veut, que l'âme, pour moi, elle existe. Mais donc, a priori, je ne veux pas le savoir. Et ce que j'ai trouvé chez Max, c'est une sorte de passion biologique, ça veut dire la parole de la vie. J'ai trouvé une passion... de la vie, démultipliée jusqu'à fréquenter peut-être le mystère, quoi. Parce que le mystère, c'est le fait de vouloir comprendre à tout prix quelque chose parce que on l'a d'abord aimé, je pense. L'être humain, la pâquerette, la vache, etc. Et là, on se rejoint parfaitement. Max Lafontaine, sur cette... relation entre le cerveau et puis l'âme, donc c'est un rêve qui est propre à Yvon Lemaine, mais est-ce que c'est aussi une question, la question transcendantale qui vous habite? Ah oui, non mais je pense que c'est un rêve que j'avais, d'ailleurs c'est assez, que j'avais un peu suscité, parce que nous avions eu une discussion assez approfondie avec mon épouse et lui sur les problèmes de l'amour. Parce que Yvon, déjà, avait été impressionné de voir un vieux couple, quoi. Une fidélité très longue, alors que je lui affirme tout bêtement que l'amour, c'est quelque chose qui dure peut-être 2 ans, 3 ans. L'amour flamboyant, etc. Donc, il a dit, qu'est-ce que c'est que ce déconstructeur de l'amour qui commence à me raconter des histoires que ça part, et alors que ça fait 40 ans qu'il est avec son épouse. Bien sûr, il fallait pas oublier qu'il y a une évolution de la qualité de l'amour et de l'exercice de l'amour. Et donc, je pense que je l'avais un peu chahuté. Je lui avais même remis d'ailleurs un petit bouquin d'une neuropsycho. Hein. Souviens-toi, il n'en avait pas dormi de la nuit, je crois. Il m'avait énervé. Hein, tu te souviens? C'était ouais. Extraordinaire. Voilà. On s'était provoqué, disons. Oui, ouais. Mais est-ce que vous avez eu quand même besoin de cet autre rapport de la poésie pour re-questionner vos conceptions de l'âme, vos questions de la transcendance, et donc aussi là, votre conception de l'amour? Parce que la poésie apporte d'autres questions que la science. Ah non, mais, je pense que la poésie apporte d'autres questions, mais en même temps, si vous voulez, on peut totalement apprécier la poésie, les formes d'expression. Expression poétique sans nécessairement, si vous voulez, remettre en question ma conception de ce qu'est, si vous voulez, la neurophysiologie et
les composantes neurophysiologiques de nos existences. Je suis un scientifique, si vous voulez, donc autrement dit, la poésie me fait du bien parce qu'elle elle me fait évader, elle me fait aller au-delà. Mais moi, je suis un rationaliste forcené. Alors, le rationaliste forcené, Yvon Lemaine, est-ce qu'il a ébranlé certaines de vos questions, certaines de vos assurances sur l'amour, sur la transcendance ? Alors, sur l'amour, j'ai dit à Max, il y a quand même Shakespeare et tous ses camarades. Et que les passions, c'est effectivement, c'est comme Max dit, c'est 3 ans, etc. Et après, à la limite, on s'en fout. Chacun mène la vie qu'il peut mener. Hein. Max et Geneviève, c'est une très, très belle histoire. Et moi, je trouve que ça me touche beaucoup, évidemment. Pour revenir à la science et la poésie, dans le livre que je viens de faire, L'abbé Vitry, je commence par d'ailleurs la science. Je commence par ce qui est devant moi, les fleurs, les oiseaux. J'ai lu des livres de Camille Flammarion. J'ai lu des livres pendant le confinement. C'est-à-dire, j'ai pas lu que de la poésie. Les romans, j'arrivais pas. Hein. Je pouvais pas m'absenter assez pour lire un roman. Donc, je lisais beaucoup de poésie, mais ça, c'est ma vie quotidienne. Mais je lisais des livres donc d'astrophysique. J'ai lu beaucoup de livres de cosmonautes qui disaient en gros la Terre est bleue comme une orange, que ce que dit Éluard. J'ai lu donc des livres de Camille Flammarion, d'Henri Poincaré, des choses comme ça, autour de la... Parce qu'il nous restait la nature. Moi, j'habite au bord d'un bois et donc, je me dis, mais enfin... en plus, les oiseaux venaient parce qu'on n'était pas là, ils venaient nous voir. Il y a 17 espèces, il y a 17 espèces d'oiseaux dans mon jardin. Et je m'étais dit... Puisque nous, on est malades en ce moment, le virus n'étant pas un être vivant non plus, ce qui est quand même une chose absolument mystérieuse, regardons la nature, elle sera là quand on sera guéri, si je puis dire. Et donc, effectivement, j'ai lu des livres de botanique, j'ai lu des livres sur les oiseaux. Donc, il y a... Non, Max, il enchante le monde de façon fanatiquement rationnelle, si, comme il dit, mais il enchante le monde quand même. Et il est enchanté du monde, et malheureux du monde aussi, comme il se comporte en ce moment, et moi aussi. Vous partagez ça, Max Lafontaine, vous dont Yvon Lemaine écrivait que vous étiez du côté de la vie et que vous l'êtes toujours. Ah ben oui. Ben, il faut dire que je n'ai aucun mérite parce que moi, je suis un fils de paysan qui a fait des études de sciences naturelles et qui a été immergé toute son existence dans l'univers, dans la biologie. Moi, j'ai été écologiste quand je faisais mes études, bien avant que les écologistes deviennent des théoriciens. Donc, autrement dit, et j'avais trouvé que Yvon avait quand même une très grande sensibilité à l'égard de la nature. Moi, il y a un petit bouquin qu'il m'avait donné qui s'appelle Le Point J, qui était un travail d'entomologie extraordinaire. Donc, autrement dit, je pense qu'il a une sensibilité extrême qui le fait parfaitement appréhender la nature. Et c'est vrai que dans la baie vitrée, on sent bien, quoi. Il a un très bon ami naturaliste dont il nous parle dans le voyage avec l'auto aussi. Donc, autrement dit, Yvon, il n'est pas rien que dans des univers éthérés. Hein. Je crois que c'est un homme du concret, mais il sait enchanter le concret, chose que moi, triste scientifique, je ne sais pas faire. Et parce que même dans la Bretagne sans permis, vous racontez effectivement la voiture, ce fameux pot de yaourt, et pourtant vous y mettez la flamme de la passion pour raconter ces objets-là. Absolument, oui, tout à fait, oui. Mais justement, je vais lire le début de l'abbé Vitré où je parle, parce que le premier confinement, on avait, enfin, si on veut, une sorte de chance, parce que c'était au printemps. Quand le confinement a démarré, il n'y avait pas de fleurs dans les pommiers. Quand il a fini, les pommes allaient, enfin, un peu plus tard, mais tombées. Donc, on a eu devant nous le film de la nature. En hiver ou en novembre, c'était beaucoup plus dur parce que tout s'éteignait, quoi. Pendant que nous rentrons dans la nuit, quelle nuit, les fleurs du pommier se préparent à sortir au jour, en rose presque rouge, sous son vert plus clair que le jour d'aujourd'hui. Pendant que nous rentrons dans la nuit, dans nos maisons, dans l'intérieur de nos maisons, comme dans une coquille à double fond où chaque pièce est une maison dans la maison, sur toutes les toilettes, la fleur aura tout le ciel pour elle, demain, après-demain, jusqu'à sa mort, quand elle sera pomme, sera mangée par moi, par nous qui sommes rentrés dans nos maisons, dont le ciel, le même ciel que le ciel du pommier, est confiné jusqu'au bout du ciel qui recouvre la terre jusqu'à la mer.
La fleur ne sait pas qu'elle va mourir, je le sais, pour elle. Je le sais, pour moi. Je le sens chaque matin, chaque aube. L'aube d'avant le matin. L'aube avec encore un peu de nuit qui traîne. Les morts le savent qui meurent à l'aube, sans leur petit déjeuner du matin. Je le sens comme un loup renifle sa piste. Un enfant, ses parents, un amant, son amour, un chagrin, sa fenêtre par où se jeter dans le ciel. Je le sens avant d'armer ma journée comme on arme un pistolet. J'ai peur de tomber dans la maladie, comme on tombe dans un cauchemar qui débuta par un rêve. J'ai peur pour mes amis dispersés sur la carte. Nul lieu où aller pour se sauver, pour moi, pour eux, pour personne. Sur la terre où nous vivons, les îles dont nous rêvons, la mer qui les relie, sinon un lieu, un seul, au plus profond de nous, tel qu'au plus loin du ciel, mais en dedans, où il n'y a plus de frontière entre toi et moi, mon ami de là-bas, à un mètre de moi. Plus je suis près de toi jusqu'à être en toi, plus tu risques de mourir à cause de moi. Une fois, il serait une fois, comme dans un conte, le conte où nous vivons aujourd'hui. Tel que, autrefois, le petit pousset contre la forêt, le petit chaperon rouge contre le loup, la petite fille aux allumettes contre le froid. Merci pour cet extrait, Yvon Lemaine, de l'abbé Vitré. Vous racontez effectivement tout ça dans le livre « Il y a la nature qui renaît au printemps », mais il y a cette dimension, le mot de peur que vous avez cité, là, qui est très présent aussi. Est-ce que c'est un livre écrit aussi pour conjurer la peur ? Parce que vous écrivez, il y a la peur de perdre la vie, la peur pour les proches, et en même temps, l'absence de lieu pour se protéger. Oui, dans le monde entier. Oui. En plus, moi, j'étais en lien avec quelques pays, la Suède, autodiscipline, la Chine, dictature, l'Espagne. À Madrid, c'était terrible, au mars. Bon. Et puis, voilà. Et oui, je dis dans le premier poème, je dis pour la première fois, je commence un poème, je ne sais pas si je le finirai. Alors, j'exagérais un peu, mais j'étais influencé aussi. Bon, voilà. Et puis, tout doucement, j'ai regagné la la sérénité, un peu la maîtrise. Mais il n'empêche que je vis avec ça, comme tout le monde. Mais ce n'est pas la peur de tomber malade, forcément. C'est aussi la peur d'une catastrophe dans la catastrophe. C'est-à-dire, donc, au milieu du livre, je parle des enterrements, par exemple, et qui, pour moi, c'est le début de la civilisation. Il y a un poème, la première tombe, c'est 100 000 ans, quand même. Donc, j'ai peur de ça, oui, effectivement, qu'on s'habitue à quelque chose. Alors, moi, j'obéis, en gros, mais je pense qu'on ne peut pas. Il faut à la fois s'habituer un peu pour ne pas souffrir tous les jours et ne pas s'habituer du tout pour, au moment où les choses vont reprendre, parce qu'elles vont reprendre, qu'on n'ait pas oublié ce qui faisait de nous des êtres humains, comme je dis, traverser comme on traverse un pont entre des bras, quoi. Parce que ça, c'est très, 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 très important. Et la mort, pour moi, bon, c'est ce que je crois, ça reste quand même un passage. Je sais pas. Moi, j'ai vu ma mère mourir. C'était un grand privilège d'ailleurs. Et quand j'attendais sa mort, mais j'attendais pas la fin. J'attendais. C'était un événement, quelque chose qui arrive. Vraiment, hein, je le vivais comme ça, comme un accouchement de quelque chose que j'ignore, puisque pour l'instant, je connais personne qui est revenu de l'autre côté. Mais c'est un événement, en tous les cas. Voilà. Et donc, massacrer. Ce moment de passage, et ne pas faire attention à ce moment de passage, c'est quasiment civilisationnel. Ça nous définit, nous, comme, en tant qu'êtres humains, profondément. Quoi. Voilà. On y reviendra dans une rencontre un peu plus tard. J'ai même lu, je ne sais plus dans quel bouquin, j'ai lu que certains animaux, même, pouvaient ressentir un chagrin collectif à la mort chez les singes, par exemple, d'un autre singe, etc. Donc, alors, nous, évidemment. Il y a effectivement dans la Abbé Vitré beaucoup de références religieuses. Elle est très présente, la religion. Mais est-ce que c'est un livre aussi dans lequel vous avez cherché à retrouver du sens, justement, par rapport à ce qui arrivait à ce moment-là ? Ah, bah oui. Ah bah oui, oui, oui. Alors, c'est la quête de sens. Hein. C'est totalement ça, pour ne pas devenir dingue, quoi. Alors moi, mes poèmes ne me suffisaient pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de citations. J'allais dire, poème s'ouvre par une citation empruntée à un autre et que vous donnez une réponse. Un autre poète ou un scientifique, justement. Oui. Ou un scientifique, ou à des scientifiques, à des savants, quoi, hein, qui questionnent, qui cherchent, qui enquêtent, qui veulent comprendre. Oui, oui, j'ai jamais autant cité de. Non pas pour faire le malin, hein, pour dire voilà, je suis au courant. Non, non, parce que j'avais besoin de ces gens-là. C'était comme une symphonie, quoi. Ensemble, c'était mon poème et les poèmes, quoi. Hein, voilà.
Vous l'avez écrit pour qui, ce livre? Est-ce qu'il a été différent à écrire des autres? Pour moi. Pour moi, ce sont tout ce qu'on écrit, c'est pour soi, mais soi et les autres, quand on écrit, c'est un peu la même chose. Mais là, j'ai vraiment écrit pour maîtriser, dès le premier jour du confinement, jusqu'au dernier 40 jours. Donc, 40 jours, c'est les 40 jours dans le désert aussi. Si on c'est symbolique. Ouais. C'est symbolique. Pour construire ma journée, pour ne pas être dominé par cette espèce de flou. Il y a un long poème sur le temps, par exemple, parce qu'un matin, je me lève, je me dis, mais je me suis levé hier. Et je vais me lever demain. J'ai l'impression que, comme on était toujours dans la même pièce, que ça tournait en rond comme ça et que le temps nous entourait. Et je dis du prisonnier, du mort, de la vie à perpétuité, du vivant, du couloir de la mort, bizarrement. Parce que quand il y a un sentiment de perpétuité, il n'y a plus de sentiment de vie. Bizarrement, même si on recherche l'éternité, c'est bizarre, mais la perpétuité, le sens de la vie s'en va, quoi, comme ça, voilà. Max Lafontan, votre sujet d'étude paraît assez loin de ce qui est l'épidémie actuelle. Et pourtant, est-ce que par la science, vous avez vous aussi, à votre manière, essayé de trouver du sens à ce qui nous arrivait? Oui, alors je vais vous dire. L'épidémie, moi, ça a été une aubaine phénoménale. Ça a été une aubaine phénoménale parce que je me suis immergé, je suis allé en quête des connaissances qui avaient un peu vieilli. J'avais fait de la bactériologie, de la virologie dans ma jeunesse, donc autrement dit, rien. Et là, finalement, figurez-vous que pendant la période de confinement, j'ai écrit 85 pages sur la COVID et le virus. Donc, vous voyez, je me suis immergé totalement dans la science. Je suis allé en quête, j'ai lu des centaines de publications et finalement, j'ai fait des bilans aussi pour mes amis, pour des collègues, parce que j'étais effaré que cette pandémie a déclenché un univers de culture non scientifique phénoménal. Les fake news ont fleuri partout, et là, ça m'a tellement affolé que ça m'a stimulé, si vous voulez, pour vraiment essayer de faire des bilans scientifiques, rigoureux, en dehors de tout. Donc, vous voyez, je l'ai vécu assez différemment d'Yvon, hein, parce que, bon, moi, je n'ai pas été affolé, je n'ai jamais eu peur de mourir, donc, comme je cumule les facteurs de risque, Yvon le sait, je suis un peu obèse, un peu hypertendu, un peu diabétique. Autrement dit, j'ai tout pour partir et au front en premier. Mais ça, ça m'a été égal, parce que je me suis vengé, j'ai fait de l'introspection virale pendant 40 jours. Alors, expliquez-nous quel est votre domaine de recherche, vous, le spécialiste mondial de la cellule graisseuse. Expliquez, parce que c'est évidemment, ça a été l'enjeu d'Yvon Le Maine de décrire tout là. Yvon en a fait une analyse. Vous savez, dans son texte, il m'a écouté très, très sérieusement. Alors, comment ai-je atterri sur la cellule graisseuse, vous allez me dire? Parce que ma grande passion, moi, quand je suis arrivé pour préparer ma thèse, j'étais intéressé par une chose qui est toujours en vogue, qui est le stress. Hein, le stress, tout le monde connaît, a entendu parler du stress. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était le mécanisme d'action des hormones du stress. D'accord ? Ça, c'était de la biologie dure. Et alors, le problème des chercheurs, c'est de trouver une niche pour s'exprimer. C'est de trouver le chemin de traverse. Hein. Yvon est un poète des chemins de traverse et moi, j'ai été l'un chercheur du chemin de traverse. La cellule adipeuse, tout le monde s'en foutait complètement au moment où j'ai commencé mes travaux. Et donc, j'ai dit à mon patron, qui n'était pas loin de la retraite et qui était très heureux que je me prenne en charge, j'ai dit, écoutez, monsieur, moi, je voudrais explorer les mécanismes du stress sur la cellule graisseuse, parce qu'il n'y a personne qui la travaille. Donc, c'est une niche, vous comprenez, une niche expérimentale. Et alors là, figurez-vous, dans l'existence, il y a des moments où il faut de la chance. Coup de chance, j'ai fait un très bon choix, parce que cette cellule, c'était un prototype de cellule réactive aux hormones du stress. Et donc, autrement dit, tout le reste... Mon patron m'avait dit, bon, vous y passez 6 mois, hein, mais pas plus, Max. Je n'y ai passé que 40 ans. Autrement dit, partir hein, sur une histoire dont personne ne veut, sur une cellule dont tout le monde se moque,
et arriver à extirper et à faire vivre. Nous avons commencé à trois avec une technicienne et un collègue et nous avons terminé à 60. Donc, c'est pas mal pour un sujet à la con, pour un sujet à la con sur une cellule à la con. Tout c'est devenu comme un sujet d'occupation très présent en Occident. Voilà. Hein, donc mais ça, c'est le problème de la science quand on a la chance, si vous voulez, de tirer des villes d'Ariane qui nous aident à vivre. Quoi, hein, parce que c'est ça, la recherche, c'est des questionnements permanents, mais bien sûr, il faut pouvoir avoir de temps en temps hein, des... Et alors, bien sûr, la cellule adipeuse est devenue à la mode, puisque vous avez vu, avec l'obésité qui s'est développée, tout ça. Et à ce moment-là, bien sûr, je me suis intéressé aussi quand même aux problèmes de l'obésité, à des problèmes de société, aux problèmes des obèses. Mais j'ai commencé, ben, c'est normal, un jeune chercheur commence toujours par hypertechnicité, etc. Et puis après, bon, on commence à contextualiser ses savoirs. Et après, bien sûr, je me suis quand même intéressé profondément à l'obésité, à ce problème énorme que pose l'obésité dans la société, et bien sûr l'obésité chez les pauvres, etc. Enfin, vous voyez. Mais j'ai commencé, c'est vrai, tout bêtement. Ça veut dire que le titre de cette rencontre, Prendre soin des autres, finalement, ça a été le moteur de toute votre activité. Ah ben, écoutez, prendre soin des autres, j'avais déjà découvert une chose. Chez Yvonne, dans notre premier entretien, j'avais vu... Yvon est un jeune par rapport à moi, hein, puisque j'ai 9 ans ou 10 ans plus que lui. Mais on avait les mêmes histoires. On avait fait 68, moi j'avais été dans les mouvements 68, Yvon aussi. On avait découvert, nous, on n'était pas super emballés par la pensée des groupuscules, hein, les guerriers qui terminaient à la bière Corona Hambourg et à leur Rosa Luxembourg le soir. Vous voyez, j'avais perçu chez Yvon quelqu'un qui avait des questions mais qui n'était pas un fanat des idéologues. Et bien, c'était tout à fait ma nature. Je n'ai jamais été un idéologue alors que j'aurais pu l'être parce que j'étais né dans une famille avec un père très grand militant communiste, etc. Et donc, mais bon, moi j'étais en marginal, j'aime bien les chemins de traverse. Et j'avais trouvé que Yvon, c'est un homme des chemins de traverse. Et moi, je me suis senti tout à fait en affinité avec ce poète, parce que même dans nos histoires, hein, on avait démarré, Yvon a démarré très difficilement dans l'existence, pauvre, etc. On en avait parlé. Et moi, j'ai des petits-fils de paysans, pauvres de pauvres, hein, j'ai vu arriver l'électricité chez moi, j'avais 10 ou 11 ans. Donc, vous voyez, on avait des communautés aussi dans nos histoires. Yvon, voilà. Oui. Je crois que vous voulez rajouter quelque chose, c'est pour ça que je... Non, mais tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est comme avec Michel Lebris aussi, hein, dont on parlait tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et ça, c'est la connaissance, la préconnaissance entre nous, c'est quasi physique, c'est-à-dire qu'on se reconnaît. On voit quelqu'un, on dit, mais je le connaissais déjà, en fait. Donc, le chemin de traverse, c'est aussi ce que vous avez pris. Hein. Complètement, oui. Que je prends toujours, d'ailleurs. Oui. Quand on est bien dans un chemin, on y reste. Hein. Oui, absolument. Oui, voilà. Oui. Vous partagez aussi là, c'est la bonne formule de Max Lafontan associant la bière Kronenbourg à Rosa Luxembourg. Vous vous trouvez dans quel milieu, vous? Alors, moi, j'ai de l'admiration pour elle. Parce qu'elle a quand même été assassinée. Enfin, bon, c'est une femme extraordinaire. Mais effectivement, l'idéologie... Je rappelle, hein, c'est pendant la Première Guerre mondiale, en Allemagne. Assassinée par les nazis, oui. Jetée dans le fleuve et coupée en morceaux, enfin, etc. Mais oui, sur les idéologies, parce qu'en même temps, d'un côté, on ne peut pas être dans le monde sans avoir des idées sur le monde, évidemment, parce que sinon c'est la distraction du Parti communiste chinois qui veut distraire, enrichir les gens pour qu'ils ne s'occupent surtout pas de la dictature qui est de plus en plus menaçante. Mais en même temps, pour moi, les gens sont des êtres alors là, je rejoins Max, réels. Les gens ne sont pas des idées. Aimer, d'ailleurs, c'est quoi, finalement? C'est quand, dans le fond, un sentiment qui rencontre un corps. Et qui alors, des fois, le corps, c'est tout de suite. Des fois, c'est une illusion. Des fois, enfin, bref, c'est sans arrêt un affrontement ou des épousailles entre un sentiment qui est immense, quoi, quasiment, qui prend l'univers entier, et puis un corps comme il est. Qui est à la fois beau, pas. Enfin, là, les gens avec qui je travaille en ce moment, qui sont un peu à la frontière des mondes, ils ont des visages qui sont des romans russes, quoi.
Justement, vous faites la transition pour savoir justement sur quoi vous êtes en train de travailler actuellement. Parce que vous, il y a quelques années, vous étiez allé dans le quartier Maurepas à Rennes, donc quartier populaire et très mélangé, oui. pour raconter justement ces mélanges. Et là, vous avez récidivé, si je puis dire, voir une autre catégorie. Oui, parce que j'ai eu un pistolet dans le dos pour le faire. Voilà, c'est ça. pour travailler non, parce avec... Non, parce que plus le monde va comme il est, avec... Là, je lisais encore ce matin... C'est dans l'Obs, je crois, il disait que le comportement en France des riches n'est vraiment pas très sympathique. Enfin, c'est insupportable, quoi. Voilà. C'est tout. Les gens, les riches, quand Macron disait, ils vont partager tout ça, j'attends de voir, quoi, quand même. C'est pas vrai. On n'est pas riche par hasard. Alors, il y a des riches, j'ai quelques amis riches, pas beaucoup, j'en ai, mais quand même, que j'aime énormément, bien sûr. Mais non, je supporte plus ce monde-là, je le trouve dégoûtant, quoi. Voilà. C'est tout. C'est le comportement de ce fric partout, là. C'est pas possible, c'est pas possible. Et ça pourrait finir mal, quoi. Et ça, c'est complètement dingue. C'est vraiment non-assistance à la personne en danger. Donc, les gens qui m'intéressent, c'est effectivement les gens qui ont été blessés. Parce que c'est pas pour me pencher vers eux et moi au-dessus. Tout. C'est nos blessures communes. Mais à l'intérieur de la blessure, d'ailleurs, les gens dont je parle, c'est des gens qui ont eu des vies donc difficiles, mais ils veulent pas, ils demandent pas, ils veulent pas que je raconte, surtout pas d'ailleurs leur misère et tout ça. Ils veulent que je raconte ce qu'ils voient de l'endroit où ils sont par rapport à nous. Voilà, ce sont des fenêtres, ce sont des baies vitrées aussi, avec des yeux, des regards et des visages qui sont donc des romans russes pour ceux qui ont passé 40 ans, ceux et celles qui ont passé 40 ans. Donc, j'ai envie d'écouter ce qu'ils et qu'elles savent. Voilà. C'est vraiment c'est pour comprendre quelque chose avant que ça soit trop tard, quoi. Vraiment. Et comme j'ai la santé pour le faire pour l'instant et l'énergie et l'envie, je fais ça avec un homme extraordinaire qui est metteur en scène à Rennes, qui s'appelle Massimo Dine, qui est incroyable, qui a une énergie inouïe. Et c'est une. En plus, j'ai aimé des gens, j'ai connu des gens qui étaient dans la rue. J'ai connu trois personnes, dont une personne. Tous les trois sont morts. Dans la rue. Moi, dans ma vie, qui a été financièrement très dure, jusqu'à 37-38 ans, parfois, je me dis, oh là là, ça pourrait mal finir, quoi. Alors, je me dis, je me tuerais avant, etc. Mais bon, c'est facile à dire. Puis, il se trouve que ça s'est arrangé. Puis, voilà, maintenant, c'est plus le cas. Mais j'ai une affection. C'est comme ça. Hein. Et en plus, une fois de plus, enfin, je le pense vraiment. Ce monde-là, et ça ne peut pas durer comme ça, c'est pas possible, quoi. Quand on pense qu'il y a des gens qui se sont enrichis pendant la crise du Covid, de façon éhontée, c'est intolérable, quoi. Il y a un autre livre qui vient de sortir, écrit par un scientifique, j'ai vu ça hier aussi, qui dit qu'il a analysé l'évolution de la société depuis le Silex jusqu'à aujourd'hui, en disant que, à part quelques moments de l'histoire où les gens se révoltent ailleurs et on repartage à nouveau et on rediscute, mais il y a toujours cette tendance à accumuler des richesses et à en priver les autres, quoi. Et ça, moi, je ne supporte pas. Voilà. Et quel est le rôle du poète et quel est le rôle de la poésie là quand vous allez voir les personnes du quartier Maurepas et quand vous allez voir et... Parce qu'après, c'est pour faire un livre, c'est pour qu'il y ait des mots, c'est vous leur prêter votre voix. Mais ce n'est pas un rôle, hein, parce que quand je suis allé à Maurepas, d'abord, je n'ai pas dit que j'étais écrivain, j'ai dit que je cherchais du boulot. Alors, il y a ma voisine qui m'a dit que ce n'est pas le bon quartier, à votre âge, qu'elle me dit. Et alors, c'est rigolo. Et il y a Edmond Hervé qui est venu boire un coup à la maison, enfin, à la maison, dans mon HLM, et la dame me dit « Ah bon, vous êtes au chômage alors que vous connaissez l'ancien maire de Rennes ?» J'ai dit « Ben oui ». Et bon, finalement, j'ai fini par dire que j'étais écrivain, et j'ai rencontré des gens... que j'ai écouté. Mon travail, c'était d'écouter, mais pas d'écouter seulement la langue qu'ils employaient, d'écouter la langue qu'il y avait derrière la langue, quoi. Voilà. Et avec l'idée, comme disait Michel, pour le bruit, nous sommes plus grands que nous. C'est-à-dire, et effectivement, moi, à Maurepas, à part le bruit, qui est vraiment fatigant, j'ai été heureux. Hein. Et pourtant, il y a eu des choses assez graves pendant les quelques mois où j'ai passé là-bas. Et donc, c'est pas pour apporter. Non, non, c'est pour partager. Voilà. Et là, c'est pareil avec les gens avec qui je suis. L'autre jour, je suis allé voir un homme, un Américain, qui vit sous le pont des Loges. Et en allant le voir, il faut descendre. Il y avait de la boue. Et j'ai glissé, j'ai failli tomber dans la Vilaine. Et je ne sais pas nager en plus. Et puis, il faisait froid. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous dans ce projet à la con, là.
Et puis, tout d'un coup, une main se lève, me tend et me dit, viens boire un thé avec moi. Et on entend une histoire, quoi. Et non, j'ai raison, je pense, encore une fois, parce que j'ai la force de le faire. Hein, bon, c'est tout. Et le goût de le faire, parce qu'il y a des secrets. Je suis allé, pareil, j'ai fait une résidence dans le Coglay aussi, dans le monde des paysans. J'ai rencontré des gens qui bossent dans le nord-est du département, qui bossent dans les abattoirs. Bon, c'est dur, hein. C'est dur. Et donc, moi, je trouve que ce manque de considération. Je repense à Macron encore. Je dis pas que c'est. J'ai voté pour lui, donc je vais pas cracher dans la soupe que j'ai préparée, si je puis dire. Mais quand même, quand il dit il y a des gens dans les gares qui sont tout et d'autres rien, alors qu'il est intelligent, je me dis c'est pas possible de parler comme ça. C'est pas possible. On ne peut pas parler comme ça, des gens. Alors, c'est pas ce que j'ai voulu dire et tout ce qu'on veut, mais enfin, il l'a dit. Et on ne peut pas dire des choses pareilles. Ce n'est pas possible. C'est parce que ça n'existe pas. Dans les romans, justement, de Tolstoï, par exemple, dans Guerre et Paix, il y a toujours des personnages comme ça qui viennent du peuple et qui sont illuminés. J'ai lu plusieurs fois un livre de Tolstoï, La mort d'Ivan Ilitch. Et c'est très intéressant parce qu'il donne le point de vue du malade et de ceux qui sont autour du malade. Et des fois, le malade dit, mais il ne s'occupe pas bien de moi, il pense que je vais... Et puis les gens soignants, mais ils n'écoutent pas ce qu'on dit. Et puis il y a un personnage, qui est le valet, le serviteur d'Ivan Ilitch, et qui est le meilleur de tous les personnages, parce qu'il n'a pas peur, il est là. Il sait voir au travers les défauts, les qualités, etc. Quoi, voilà. Moi, c'est ça qui m'intéresse, hein, de voir la grandeur... Je suis pas idiot. Je sais bien, j'ai vécu dans un quartier très pauvre et enfin un mot plutôt. Je sais bien qu'il peut. Les pauvres sont pas vertueux forcément. C'est bien sûr. Mais enfin, quand même, on partage un peu plus quand on a peu que quand on a beaucoup. Ouais, parce qu'il y a cette notion effectivement chez vous qui est très importante de partage, d'aller voir les gens, d'aller voir les équipes. Hein, Max Lafontan, pour préparer la rencontre, vous me parliez du fait que Yvon Le Maine, il y a donc en 2010, quand l'invitation de la première rencontre ensemble vous avait été faite à Toulouse, bah, vous êtes venu non pas voir simplement Max Lafontan, mais voir Max Lafontan et ses équipes, hein, c'est ça, oui, Max? Oui, parfait. Parce qu'en réalité, il a été, quand il est venu, il a été. Ben, bon, là, je le reconnais tout à fait. Hein, il est attentif. Yvon est un observateur extrêmement attentif et sensible aux autres, et mais à tous les autres. Là, actuellement, il est engagé, bien sûr, parce que je pense qu'il y a. En fonction de l'itinéraire et de sa vie, on a de l'affinité. Moi, c'est pareil, un pauvre, j'ai beaucoup plus d'affinité pour les pauvres, les malotis, les obèses malheureux, etc., que pour les riches obèses, vous voyez. Donc ça aussi, ça vous marque les origines, vous marque et vous poursuive tout de même. Et Yvon, quand il est venu au labo, il a voulu voir aussi ce que c'était que le labo, et il a rencontré mes collaborateurs. Alors bon, j'ai eu une chance extraordinaire dans ma carrière de chercheur, parce que je n'ai eu que des collaborateurs charmants, méritants. Je n'ai travaillé comme un sauvage, mais toujours dans la joie. Donc, autrement dit, ça, c'est une valeur incontournable, si vous voulez. Et je crois qu'Yvon, il avait vu les gens de mon labo, et il avait vu que si on n'est pas capable, quand on arrive après, responsable d'un laboratoire ou autre, d'insuffler de la dynamique joyeuse dans un travail qui a ses aridités, ses temporalités, hein, c'est pas toujours fantastique, eh bien, c'est que vous loupez votre affaire. Et les gens commencent à être malheureux et vous allez très rapidement terminer votre carrière parce que ça ne marchera plus. Donc, c'est vrai que l'attention aux gens, ça aussi, moi, dans mon domaine, je n'ai pas les qualités d'Yvon, les qualités d'humanité d'Yvon. Moi, l'attention aux gens était dans un univers un peu plus clos par rapport à lui, mais je pense que c'est ce qui m'a permis d'avoir une carrière de chercheur, si vous voulez, épanouie, épanouissante et pour l'épanouissement des autres. Et donc ça, c'est important. Oui, parce que vous n'êtes pas un chercheur seul. C'est ça aussi peut-être qu'il faut rappeler sur votre activité. Vous avez dit que vous avez commencé à 3 pour terminer votre carrière à 60, que toutes vos productions scientifiques, elles ne viennent pas que de vous seul, elles viennent aussi des échanges avec ceux avec qui vous travaillez. C'est l'image déplorable que l'on donne du chercheur. On nous embête tout le temps avec des inepties, des prix Nobel, des machins, un prix Nobel. On ne devrait pas donner à une personne, on devrait donner déjà le prix à une équipe.
Un chercheur n'a du sens que par les gens qui l'entourent. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose d'essentiel. Et on a tendance toujours à nous balancer une vision un peu prométhéenne, le grand boss, etc. Bon, il y a des universitaires, des grands médecins, ça leur plaît beaucoup, hein, il faut voir. Mais moi, j'ai toujours considéré que si j'ai eu la chance de faire de la recherche pendant 40 ans avec un plaisir permanent, c'est parce que j'ai eu tout un tas de gens autour de moi et qui regardaient un peu dans la même direction que moi. Et ça, c'est extraordinaire et c'est le travail d'équipe, si vous voulez. Hein ? Sans les autres, on n'est rien. Ça, c'est clair. Yvon Lemaine, je voudrais qu'on s'intéresse à votre autre livre, Autre actualité, qui est La Bretagne sans permis, parce que là aussi, vous n'êtes pas parti seul, vous êtes parti avec l'un de vos amis qui s'appelle Alexis dans Alexis Blouhagen, qui est un écrivain, voilà. Un grand écrivain, qui a écrit, par exemple, une trilogie sur la nature, qui s'appelle Écrit de nature, que Nadeau a publié. Et c'est un des derniers livres que Maurice Nadeau a publié avant de mourir à 100 ans. Et Alexis est un écrivain, et pour moi, je dirais quand même ce mot-là aussi, un savant. Son maître écrivain, c'est Jean-Henri Fabre, qui était un entomologiste de fin 19e, début 20e. Quoi. Oui. Pourquoi avoir choisi de traverser la Bretagne à cette vitesse, celle de la petite voiture, le pot de yaourt, très limité, qui a des difficultés sur les pentes Parce que je voulais me mettre moi-même, je suis souvent sur les routes, pour aller dire des poèmes à droite à gauche, et donc, quand je tombe sur une voiture sans permis, une VSP que j'appelle « Vaincre sans péril », eh bien, je gueule. Qu'est-ce qui fait chier à nous emmerder ? Je suis pressé, tout ça. Et à chaque fois que je double, je le regarde, ou je la regarde, comme si c'était ou elle était un ivrogne qui ferait mieux de rester chez lui. Voilà. Je me suis dit quand même, et quand Alexis, qui n'a pas son permis, et j'explique dans le livre à la fin pourquoi, il y a une énigme, je lui ai dit, tu devrais écrire un livre sur ce que c'est que d'être doublé par tout le monde, quoi. Et il m'a dit, ah ben non, moi je ne saurais pas le faire, mais si tu veux, on le fait ensemble. Et donc, on a fait 4 voyages. On est parti de Silfiac, où il vit, c'est le centre du centre du centre, hein, c'est à 9 km de la première baguette, comme je dis, jusqu'à Roscoff, et après l'île de Bas, et retour. On traverse des paysages, on traverse des histoires, des écrivains, etc. Et on est tous les deux ensemble, et très serré. Hein. On a intérêt à s'aimer, parce que sinon, c'est horrible. Alors, en plus, il faut le dire, c'est que certaines des pages de ce livre, vous les avez écrites dans ce pot de yaourt, dans cet espace serré. Oui, il y a 84 petits poèmes que j'appelle Tuff, 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 et que j'ai écrits, et ils sont courts, parce que tout simplement, on ne peut pas écrire un roman russe à droite de quelqu'un dont le coude nous arrive sur le ventre. Donc, c'est les petits des poèmes de sensation qui ne pouvaient être qu'écrits. C'est des poèmes d'expérience, comme disait Blake, les champs d'expérience. Encore une fois, je ne pouvais pas ne pas être là, à cet endroit, pour écrire. Voilà. Donc, il y a ces poèmes de sensation. Et puis, il y a le livre démarre... Il démarre d'abord par des petits articles de West France assez drôles. Ponctuacer le livre sur tout ce qu'il y a comme fait divers concernant la route. Il y en a un qui dit qu'il a oublié pourquoi il n'a pas de permis, par exemple. Il y en a un autre qui dit qu'il a été envoûté par Schumacher. Et donc, ça démarre avec l'enterrement d'Jan van Schemener. C'est quand même étrange parce que où il y avait 2000 personnes, hein, c'était il y a 10 000 ans. Quoi. Toute la Bretagne était là le 17 mars et j'évoque Michel qu'on a enterré jeudi, où on était 100 parce qu'on ne pouvait pas être... voilà. Et ça démarre donc parce que c'est toute cette Bretagne qui était là, qui prend la bagnole et qui la traverse. Quoi. Et le lendemain, le deuxième chapitre, c'est deux andouilles à Guéméné. Voilà, c'est un peu voilà. Et puis après, je rencontre un garagiste qui vend des voitures sans permis à Pontivy, qui me raconte plein d'histoires. Après, il y a l'épopée de doubler un tracteur, etc., etc. Puis et on visite la Bretagne. Je vais au musée du Fouette que j'aime beaucoup, qui est un musée très très simple comme ça. Je découvre une poète bretonnante que je connaissais pas par une plaque. Que j'aurais pas vu en 208, mais que je vois en VSP, puisqu'on était à 15 à l'heure à ce moment-là. C'est ça que ça vous a permis, c'est qu'il y a la question de la légèreté dont vous parlez, mais il y a la question aussi de la lenteur qui vous permet d'appréhender autrement ce territoire. Ah ben absolument. D'abord, j'ai trouvé qu'il y avait plus d'arbres que je ne pensais en Bretagne. Et puis, on n'a pas le droit d'aller sur les routes nationales. Hein. Interdit. Et on est attendu avec des pistolets. Là. Donc, on découvre la Bretagne par la sinuosité de ses chemins quoi, et de ses rivières. Est-ce que c'était aussi une volonté avec ce livre de remonter justement à un temps d'avant la vitesse ? Il y a un moment, justement, au Fawet, vous demandez quelle vie ont eu nos grands-parents. Oui, est-ce qu'il y a eu cette volonté-là de vous inscrire dans une espèce d'autre temporalité ?
Alors, quand j'écris un livre, ce n'est pas une volonté qu'il y a, parce qu'encore une fois, même à Maurepas, j'ai dit je verrai bien. Hein, bon, voilà. Mais j'ai eu. Non, je voulais vraiment être dans ces. Parce que j'ai deux amis qui avaient une voiture sans permis. Et effectivement, qui ont eu des vies quand même un peu spéciales. Et donc, il y en a même un qui n'a même plus le droit de conduire la voiture sans permis. Donc, Et donc, je voulais être là, vraiment, parce que je me dis, qu'est-ce que c'est ? Moi-même, quand je double une bagnole, même encore aujourd'hui, alors que je suis un ancien pratiquant, moi-même, je me dis, oh merde, allez, pousse-toi que je m'y mette, quoi. Donc, je voulais être le doublé absolu. Alors, ça, c'est la réalité sociale, mais la réalité spirituelle, poétique, c'est de découvrir le pays, quoi, de voir qu'il y a beaucoup plus d'arbres que je ne craignais, oui, de découvrir qu'il y avait cette poète bretonne que je ne connaissais pas, etc., etc. Et puis l'amitié, parce que c'est aussi une histoire d'amitié entre Alexis et moi, hein, qui se révèle, puisque je le connais depuis 75 aussi, lui, et qui se révèle à la fin, et on partage des lectures, on partage beaucoup de choses, quoi. Hein, donc on évoque Xavier Gral, on évoque Michel Lebris, on évoque le musée du Faouët, Philomena Cadoret, cette chanteuse bretonnante, Yann Fanch, Patrick Ewen, enfin, il y a des histoires assez douloureuses aussi dedans, à l'île de Bas, là où j'évoque deux enfants qui ont été littéralement abandonnés par leurs parents, comme des orphelins, comme on trouve dans les romans irlandais, là, des années 60. Donc voilà, et on revient à la maison et on fait les boîtes aux livres, les boîtes à livres qu'on trouve aussi. On parle autant de San Antonio que d'Héraclite, enfin, etc. Quoi, voilà. Il y a effectivement une culture très variée. Et puis il y a cet exploit dont je voudrais que vous nous lisiez un petit extrait quand même, parce que la voiture sans permis se fait doubler par tout le monde, ou presque. Il y a le tracteur. Voilà. Alors j'ai combien de temps pour doubler le tracteur ? Pour ne pas doubler le tracteur ? 4 minutes. Hein. Voilà, alors donc je vais. Voilà. C'est page combien ? 67. Voilà. Alors, 4 minutes, ouais. Bon, je fais le texte. Oh, allez-y. Max ne sera pas contraint. Nous y sommes. Cette fois, on va pouvoir doubler quelqu'un. Cette fois, on est prêt. Le ciel est bleu, les nuages, les merveilleux nuages sont hauts. On voit loin, très loin, plus loin que le tracteur qu'on veut doubler et qui est encore à mi-descente. C'est un tracteur normal, conduit par un homme normal. On l'espère. Certains paysans, parfois, ne veulent pas se faire dépasser, déborder sur la gauche, alors ils appuient à fond à droite sur leur accélérateur. Deux bottes sur la même pédale, comme nous le ferons tout à l'heure du combat. Pour le moment, nous sommes dans la préparation de l'événement. Nous sommes dans la joie de ce qui va se passer, dans l'exaltation de l'avenir. Nous sommes dans l'attente de Dieu ou de son petit pousset. Nous frisons les 62... Espérons les 63, jusqu'à peut-être 64 km/h. Sans doute je me vante, mais ça fait du bien de l'écrire, d'écrire ces chiffres magiques. 64 km/h, 65 km/h. On chante, Alexis en anglais, moi en français, tous les deux en européen, malgré le Brexit, et de temps en temps en breton. Pas une Gwerz, bien sûr, ça nous ralentirait, mais un Plin, sinon une gavotte des montagnes, que nous pressentons dans le lointain. Le midi, nous avons, croyons-nous, mangé équilibré. Sur le plan du poids, nous sommes moitié-moitié. Assez lourd pour accélérer dans la descente, assez léger pour ne pas trop peser dans les côtes. Nous n'avons bu que de l'eau, histoire de ne pas voir double quand on double. Un petit café pour réveiller les nerfs et hop, personne derrière, personne devant, si ce n'est le tracteur. Rouge et haut sur pattes. Plus on s'approche, plus on aperçoit accroché au tracteur une remorque qu'on n'avait pas vraiment remarquée. Simplement pressenti. Un tracteur et une remorque, c'est courant sur les routes de campagne, surtout en période de moisson, même si cette fois la remorque est vide, vide mais longue, très longue. La remorque nous apparaît dans son entier seulement à l'instant où nous envisageons de la doubler, juste en bas de la descente et aux prémices de la côte, sur le peu de plat qu'il nous reste pour poursuivre notre élan. Celui-ci avait baissé en énergie, avait en quelque sorte fait une chute de morale à la découverte de la longueur de la remorque. Mettez-vous un instant à notre place. Nous sommes, Alexis et moi, derrière ce tracteur depuis longtemps. Depuis le commencement de l'après-midi. Nous avons été doublés par tout le monde, même les vélos. Et bien sûr, toutes les voitures, de la Twingo à la Mercedes-Benz, de la Panda à la plus vieille de chevaux encore en circulation, et pilotée par une jeune femme belle et amoureuse, cela s'est vu à sa conduite. En nous doublant, elle et son amoureux nous ont fixé du fond de leurs yeux jusqu'au fond des nôtres. Ils pensaient, j'imagine, des pensées que pensent tous les gens, de gauche, de droite, jeunes, vieux, riches et même pauvres.
et qui tous, absolument tous, et depuis toujours double des gens comme nous, en les dévisageant au mieux, comme si nous étions des extraterrestres qui n'ont rien à faire sur la Terre, et encore moins sur la route, sur leur route. Je n'écrirai pas ici les pensées en question, histoire de garder le moral avant la conquête de l'Ouest par le sud du tracteur. Doubler un tracteur, c'est dans nos moyens, nom de Dieu. Pardonnez-moi de jurer, mais nous en avons besoin pour accélérer et affronter l'engin. Au cul de la remorque, nous constatons que celle-ci est encore plus longue que prévu. Nous constatons aussi que le tracteur est plus large qu'espéré. Nous constatons enfin que le tracteur et la remorque sont bien attachés l'une à l'autre et que, par conséquent, leur vitesse est identique. Si on veut doubler le tracteur, il faudra d'abord doubler la remorque. Elle est liée au tracteur comme Alexis à moi. C'est lui qui conduit maintenant. C'est lui qui n'a pas de permis depuis longtemps, depuis les nuits de sa jeunesse. C'est lui le spécialiste, le professionnel. C'est à lui que j'ai remis les clés de ma vie. Pourquoi ? C'est mon ami. Non, non, ce n'est pas cette question que je pose. Pourquoi n'a-t-il pas le permis ? Est-ce à cause de l'alcool qu'il boirait en cachette, même de lui-même ? Non. C'est pour une raison beaucoup plus étrange, dont je vous parlerai à la fin de cette histoire. De plus, ce n'est pas le moment de dénoncer un homme qui a ma vie entre ses mains. Je sais qu'il devine ce que je vais écrire derrière son épaule. C'est lui qui conduit, c'est moi qui tremble, et prévient de l'avant, de l'arrière, de tous les côtés à la fois, surtout celui du mort. On peut y aller, vas-y, et on y va, et on n'y va pas, et on y va, et on n'y va pas. Dans les champs, les vaches nous regardent, et nous regardent encore, avec une lenteur que je dirais poétique. Ce bel adjectif que l'on met à toutes les sauces littéraires et cuisinières, cinématographiques et chansonnières, alors pourquoi pas les vaches ? Elles nous voient, nous revoient, qui passons, repassons et trépasserons si ça ne continue pas. Elles finissent par nous connaître, nous reconnaître, nous comprendre. Si elles pouvaient applaudir de leurs sabots, elles le feraient. Pour nous encourager, allez, allez, meugleraient-elles de leur voix de vache qui voudrait supprimer le me. En attendant, elles ne disent rien, rien de rien, comme dans la chanson. Nous, en revanche, nous nous parlons, nous crions, nous hurlons, surtout moi, allez, allez, vas-y Alexis, on va l'avoir, ce putain de conducteur sur son putain de tracteur. On le devine, on le pressent, on le presse à coups de klaxons, de petits klaxons qui frisent la sonnette de bicyclette. On dirait un petit chien, un petit cabot qui aboie en reculant, comme un Saint-Bernard, comme s'il voulait lui passer sur le corps, mais en reculant. Le tableau de bord est au bord de l'explosion. C'est faisable, en sachant que nous pesons tant, que la voiture pèse tant, qu'un tracteur pèse tant, que sa remorque pèse tant et que son chauffeur pèse tant, et que si vous multipliez tous ces temps puis les divisez avec la vitesse du vent jointe à la vitesse de digestion du repas de midi, on peut espérer une victoire, la victoire avant le sommet de la côte qui est à combien déjà ? On avait oublié les trois petits points. On avait oublié que la côte est aussi une route, une longue route. Elles n'en finissent pas de grimper et de se rétrécir à la vue à cause des arbres qui la bordent. Vas-y, vas-y Alexis, double, double, je te dis. Mais on ne voit rien à cause des arbres. Attention, attention, il y a une bagnole en face, elle va vite, trop vite, freine, freine. Encore loupé. On est trop lourd. On n'aurait pas dû reprendre du dessert. C'est la faute du cuisinier du cul de poule, les tartes étaient trop bonnes. Et c'est de ta faute aussi Alexis. Tu n'aurais pas dû en redemander avec un si bon sourire qui donne envie de tarte, surtout aux pommes. À nous deux, avec nos quatre parts, on pèse juste ce qu'il faut de trop pour ne pas réussir à doubler. Le conducteur du tracteur, lui, est plus mince, à force de travailler dans les champs, pas dans les livres. C'est à un kilo près que ça passe ou ça casse, qu'on franchit en tête la ligne de crête, qu'on gagne la côte, qu'on gagne la course en tête, 50, 40, 30, 20. Et ainsi de suite jusqu'à risquer les moins 15. Ce sera pour une autre fois. En attendant, nous nous résignons à retrouver nos amis les vaches qui finissent par s'habituer à nous avoir dans les yeux. À tout le talent d'Yvon Lemaine pour... Il y a un rapport avec la cellule graisseuse, là. Oui, on a vu le petit coup d'œil vers Max Lafontaine sur le poids, effectivement. Max Lafontaine, comment vous avez lu ce livre « La Bretagne sans permis » d'Yvon Lemaine ? Oh non, 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 moi je me suis régalé, il est d'une richesse, enfin, c'est un livre qui est d'une richesse extrême. Mais l'histoire du dépassement du tracteur, c'est vrai que c'est une extraordinaire, hein. Moi j'ai bien aimé. C'est là le, Yvon, si vous voulez, il y a de la sobriété, il y a de l'amour, et de l'humour, de la profondeur, de la légèreté, enfin, il a un mélange dans ce bouquin-là, c'est extrêmement... D'ailleurs, je vais l'acheter parce que Yvon me l'avait envoyé déjà en PDF, mais il faut que je l'achète.
Mais le problème, si vous voulez, qu'il y a avec Yvon et que j'ai constaté très rapidement, et c'est un conteur extraordinaire, vous comprenez. Quand il vous lit un poème, ben, vous êtes en panne après. Moi, je me sens totalement inapte à pouvoir lire à haute voix, que ce soit un passage de son livre ou un poème, parce que je crois qu'il sait diffuser les poèmes, et ça, c'est quand même une qualité extraordinaire. Et moi, je suis très impressionné parce que mon existence a été une existence contrainte au point de vue recherche. Un chercheur, il ne communique pas beaucoup dans sa langue pour la grande diffusion de son savoir. Eh bien, on est obligé de faire des conférences en anglais, dont j'ai fait des tas de conférences en anglais. Il paraît que je perdais l'accent gascon en anglais, donc voilà, c'était déjà pas mal. Mais à côté de ça, si vous voulez, j'ai toujours eu, et surtout maintenant, j'ai le souci de vraiment diffuser les savoirs, parce que ça devient extrêmement urgent. Le savoir scientifique est en train de s'éroder. Beaucoup de gens... Tout à l'heure, sur pendant le confinement, ou même là, pendant la pandémie actuelle, sur les différents discours qu'il y a et les différents faux discours qui peuvent être tenus. C'est effrayant, si vous voulez. Il y a tout un tas de gens qui, dans leur discours, font passer, si vous voulez, la connaissance au niveau des croyances, la confusion entre croyances et connaissances. Ça, c'est une catastrophe. Donc là, je me sens investi, j'ai déjà fait pas mal de conférences, etc. Et aussi, de temps en temps, aller vraiment auprès des gens tout simples, dans le domaine de l'obésité. En plus, vous savez que les obèses, il y a 3-4 fois plus d'obèses chez les pauvres. Donc, c'est très important d'aller faire des cours ou d'aller faire des séminaires chez les gens modestes. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a 4 fois plus d'obèses chez les gens modestes, dans les banlieues, etc. Donc, autrement dit, c'est des choses, il faut aller leur parler, si vous voulez. Et en même temps, moi, je ne suis pas médecin. Donc, je ne suis pas un diaboliseur de l'obésité. L'obésité, c'est probablement plus une pathologie sociétale. Et je me dis, moi, j'ai fait des beaux résultats, etc., très heureux, mais je n'ai rien apporté à l'obésité, pratiquement. Puisque l'obésité, c'est une maladie de la société, si vous voulez. Et les choses accessoires, fondamentales, très belles, qui nous ont fait plaisir à tous, peut-être qu'elles amènent pas grand-chose pour le traitement. Voilà. Donc, il faut communiquer. Yvon Le Maine. À propos de... Ben, je voudrais que vous alliez prendre la parole. Alors, ah non, mais ce que dit Max à propos de sur le savoir, oui. ou la poésie, c'est pour moi c'est pareil. Ça conviendra sur le compteur. Moi, je il a raison complètement. Alors là, moi j'ai eu de la chance. Mes parents étaient des gens très curieux, quoi. Et moi je suis un enfant de l'école primaire. L'instit, il sait tout. Après, on va en sixième, on est éclaté en plusieurs personnes qui savent. Mais l'instit, il sait tout. Et moi, je me branche sur lui, je m'assois près de lui et j'écoute. Okay. Et moi, je suis d'accord sur le savoir. Alors ça, c'est vraiment... Il ne faut pas céder là-dessus. Il faut que chacun qui sait quelque chose le partage. À l'endroit où il est, bien entendu. Vraiment, il ne faut pas raccourcir ses phrases. Il faut aller vraiment et partager. Parce qu'on n'est que des êtres de passage. De toute façon, ce qu'on sait, on va partir un jour. Et donc, il faut le diffuser un maximum. Et avec beaucoup de comment dirais-je, de... Parce qu'un maître, c'est un élève pour moi. C'est la même chose. Le maître et l'élève, c'est la même chose. Max Lafontan parlait de vous comme un conteur. Est-ce que vous diriez, Yvon Le Maine, qu'à sa manière aussi, Max Lafontan est un conteur? Ouais, sûrement. D'ailleurs, il m'a eu. Avec sa cellule. Parce que vraiment, franchement, au début, je me disais, oh là là, est-ce que c'est un sujet poétique, la cellule graisseuse? C'est quand même dingue. Ben oui. Il a réussi à me faire croire que c'est un sujet poétique. Et j'ai écrit un poème, j'ai pas écrit un rapport de police sur... C'était aussi se confronter au langage scientifique qui n'est pas forcément le langage de la poésie. Oui, mais c'est la langue, de toute façon. Et Max ne sépare pas les gens par son savoir quand il raconte. Il raconte une histoire, il connaît la langue spécifique. Il y a tout un passage sur la langue spécifique. Et moi, je transforme un peu la langue spécifique en langue poétique, si on peut dire. Oui, bien sûr. Mais sur le savoir, je suis tout à fait d'accord. Alors là, c'est vraiment une question de respect. Voilà.
voudrais qu'on revienne à la baie vitrée, ce qui nous reste un peu moins de 10 minutes, parce qu'il y a eu aussi un événement. Vous parliez tout à l'heure de ce premier confinement, les jours le temps était un peu perdu, sauf que vous, il vous arrivait un confinement dans le confinement, c'est-à-dire que cette baie vitrée, vous n'avez plus accès à ce qu'il y avait de l'autre côté, le store étant. Oui, c'est ça. Nous allons lire un petit extrait où vous en parlez. J'ai eu deux accidents de confinement, mais puisque, comme tous les riches, j'ai des volets roulants électriques. Et bien fait pour ma gueule. Ils sont tombés par terre. J'étais donc dans la nuit de la nuit, quoi. Alors, je ne vous dis pas l'état spirituel de mon âme à ce moment-là. Et puis, j'ai appelé Moscou pour avoir un électricien à Lannion, faisant code 3636. Et donc, l'homme est arrivé. Et ça, c'est important parce que, d'abord, il m'a aidé, évidemment. Et puis, je me suis dit, il n'est pas rentré dans la maison. C'est incroyable. Quelqu'un qui vient m'aider et qui ne rentre pas chez moi. Parce qu'il fallait signer un papier, hein, comme quoi, et lui, il n'était pas malade, moi non plus. Et donc, je raconte que... Alors, j'ai beaucoup de respect pour les travailleurs manuels, parce que je suis maladroit. Mon père était cantonnier et avant boulanger, ma mère couturière, mon grand-père cordonnier. Et écrire, c'est écrire à la main quand même, malgré tout. Hein. On écrit ses poèmes avec son corps, hein. Physique, ses poumons, son cœur, ses pieds, tout ça. Hein. Ça, c'est vrai. C'est physique, tout ça. Mais enfin, quand même, je suis maladroit, donc j'ai besoin des autres. Et donc, je l'appelle et il vient. Et voilà comment je le vois arriver chez moi. Hein. Alors, il est venu du dehors, comme venaient les nomades, les étrangers, et dont les sédentaires avaient peur des barbares qu'ils disaient d'eux. Il est venu à mon appel, mais il n'est pas rentré dans la maison. C'est la première fois de ma vie que j'agissais ainsi. On s'est regardé, on s'est dévisagé. On a parcouru nos visages longtemps, comme on déplie une carte de voyage à l'étranger. Nous avons pris notre température. Nous avons fait le pari de l'autre, mais à un mètre l'un de l'autre. J'avais besoin de ses mains, il avait besoin d'un salaire, de la peur. Rester loin quand on est prêt. Se parler de biais, ne pas voir les mots venir, apprendre à désapprendre tout ce qui nous fait depuis le jour des temps, être l'ami et l'ennemi, le proche par le lointain, l'étranger par le frère en même temps, être deux en un à chaque pas que l'on ne fait pas, jusqu'à se faire des signes pour se faire signe comme les sourds, les muets, mais se dire... Même avec la langue des signes, c'est un mauvais moment à passer. Juste technique et pas humain. Si l'on se traite si mal, c'est pour le bien commun. Et à la fin, j'avais besoin de quelqu'un, d'un morceau d'humanité. Je l'ai trouvé à un mètre de moi, à un mètre à l'intérieur de moi, comme dans un puits, mais pas sans fond. Vive l'humanité, avais-je crié lors de ma dernière sortie au bord de la mer. C'était il y a très longtemps, à la fin de l'ancien monde. C'était il y a 15 jours seulement. C'est la vitre ou c'est le mur. Quand on écrit, c'est ainsi. Le paysage nous donne de l'éternellement de temps en temps pour lutter contre le courant qui nous emporte en ce moment. Où il fait froid, où il fait sombre, où l'on perd le nord même au sud. Quand les points cardinaux se réduisent à un seul, un point sur la carte de nos vies. La vie qui entoure de nuit noire la noire brillance du monde, notre terre bleue comme une orange, même le jour. Il est venu du dehors, comme venaient les nomades, les étrangers. Merci beaucoup pour cette lecture. Effectivement, c'est le besoin des autres qui vous a manqué. Non, alors le rapport des autres ne m'a pas manqué puisqu'il était là, mais c'est les autres. Le contact. Que c'est complètement... On est l'autre, et l'autre est nous, c'est... Enfin, c'est viscéral, on ne fait pas l'amour tout seul, on ne dialogue pas seul, ou alors, même quand on est seul, par exemple. Ceux qui choisissent d'être seuls, hein, qui les moines, mais ils sont en groupe d'abord, ou les ermites, mettons, mais ils sont avec quelque chose, quelqu'un qui les dépasse. Notre l'humanité, c'est l'autre. C'est... Et donc la confiance, par exemple, parce que là, et ça aussi, il faut la faire attention, parce que la confiance... On gagne beaucoup plus à faire confiance qu'à se méfier. À se méfier, bon, on ne sera peut-être pas volé, je ne sais pas où, mais il ne nous arrivera pas grand-chose.
si on fait confiance, on aura peut-être un pépin, mais on aura aussi beaucoup de choses, quoi. Et là, actuellement, donc, il y a tous ces sentiments-là, hein. C'est l'origine même de ce que nous sommes. La guerre, on sait, bon, ça va, c'est pas la peine d'en parler, on sait que c'est là et que tout ça est là. Mais quelque chose d'autre est là aussi, en même temps, d'ailleurs, je dirais, qui peut être, qui est le tout ce qui nous fait être avec l'autre et être mieux avec l'autre, quoi. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'on a intitulé cette rencontre « Prendre soin des autres », justement. Avec vous, Max Lafontan, merci beaucoup d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Et puis avec vous, Yvon Lemaine, alors ce n'est pas très Covid-compatible, on va se repasser les livres pour que je les montre. Donc deux actualités, l'abbé Vitré aux éditions Bruno Doucet. Juste un mot, Bruno, le livre, je l'ai écrit, j'ai commencé le 17 mars, 40 jours plus tard, et il est sorti avant le 17, il n'y a même pas eu un an. Et là, je remercie profondément mon éditeur, Bruno Doucet, d'avoir fait tout ce travail pour qu'il soit prêt là à temps, avec une belle couverture comme une prairie, quoi. Absolument, voilà. Le voici. Ouais. Aux éditions Ouest France, La Bretagne sans permis, c'est facile, vous retrouverez le pot de yaourt en couverture. Et puis le livre dans lequel vous parlez de votre rencontre avec Max Lafontan, c'est Tirer la langue. Il est paru au Passeur de Vent. Merci beaucoup, Yvon Lemaine. Merci à vous, Max Lafontan. Et merci de la programmation, à la technique, à l'accueil, à toutes les personnes qui ont fait en sorte que cette rencontre puisse se dérouler et puisse ouvrir ainsi le festival Jardin d'hiver. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos et à les faire connaître autour de vous. À très bientôt. Au revoir.